Elle est tout à l'heure.
Salut,
Thank you.
Je veux le dire haut et fort que celui qui est parti était un judoka exceptionnel. Celui qui est parti, il était judoka, mais pas comme tout. Il avait cette capacité de vendre l'image positive de la pratique de judo. Voilà pourquoi nous nous sommes décidés, au-delà de tout ce qui nous avait animé comme colère, et nous nous sommes décidés depuis hier soir d'enterrer tout ce qu'on a et d'accord a mis dans sa dernière demeure, Kinyema, parce qu'il n'était pas un judoka comme tous les autres. Et parce que vous êtes là, parce que vous étiez là depuis le jour de sa mort, j'aimerais qu'on acclame pour la présence de tous. Merci beaucoup. Et je vous présente nos excuses suite à ce retard avec lequel nous démarrons ce programme. Comprenez que nous sommes à Kinshasa petit à petit. Pas qui ont prévu de chair de fleurs. Nous sommes là juste à côté avec cher aîné, le vieux Coco, qui avait conduit le programme hier soir. Il est là pour vous faire enregistrer. Parce que le dépôt de gerbes de fleurs se fera avec beaucoup de respect à l'image de celui qui est parti. Encore une fois, un grand merci au nom de l'organisation et au nom de la famille de l'illustre disparu. Je demande à tous les judokas, en tenue bien sûr, de nous retirer de l'autre côté parce que on va exposer la dépouille de notre frère, de notre collègue. Et ça doit se faire comme on a l'habitude de faire lorsque l'un de nôtres est parti. Encore une fois, un grand merci. Au-delà. Encore, qui est allé découvrir en République du Congo, et il nous a mené cet art noble, le judo en RDC, depuis 1960. Et aujourd'hui, ça fait partie des disciplines sportives très populaires du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je vous rappelle que lors de la dernière édition du jeu francophonique qui s'est invité de très belle manière, et le judo était également parmi les disciplines sportives retenues, nous avons enregistré 9 médailles lors de ce jeu de la francophonie que nous avons accueilli à Kinshasa. Et je vous rappelle que ce jeu a connu un succès parmi la participation, l'implication du gouvernement d'une manière générale, et en particulier du ministère de la communication et médias que gère le ministre Patrick Muyaya, un vrai encadreur des sportifs. Voilà pourquoi après Kitambo Bandalugwa, il est ici pour quelques heures. Entre temps sur les tapis, la démonstration de Nagino continue avec Coco Hydro Masson. C'est lui le Tori et où que ce maître Volvo Tsumbu, maître Hydro ceinture noire, 5e dan. En japonais, on l'appelle Godan. Et maître Tsumbu, ceinture noire, 4e dan. Un détail important, mesdames et messieurs, je vous rappelle que la présence du ministre Patrick Muyaya est doublement significative parce que lui-même, c'est un vrai encadreur de sportifs, mais aussi parce que son directeur de cabinet, maître Nicolianzali Kwale, qui est empêché, et il est le numéro 1 du judo congolais. Donc, il est là significativement, il représente beaucoup ici dans ses obsèques. On peut acclamer, mesdames et messieurs. C'en est fini pour cette démonstration des katas avec maître Hydro et maître Volvo. Cette fois-ci, je laisse la parole au vieux Coco pour 5 minutes d'exhortation. 5 minutes seulement d'exhortation. Le vieux Coco va nous prêcher sur le mystère de la mort. 5 minutes seulement avant de passer à autre chose. Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour le Seigneur? Celui qui remette la colonne, la mission m'a beaucoup marqué, s'il vous plaît. Si nous pouvons honorer le Seigneur, merci beaucoup. Merci, merci, Mingi, le modérateur, pour nous couper sa mission. Moi, je suis moqué, Oyo, Toyoka, la parole des dieux. Inclinons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît, tout le monde est là. Seigneur de Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons laisser ce moment très puissant pour Dieu. Que tout ce qui se passera ici se passe pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourtant la passage pour voir Mouquet, les Alina Ecclésiaste chapitre 3 au verset 3. Technicien, s'il vous plaît, sur conseil sélection le micro. Merci. Nous disions Ecclésiaste chapitre 3, verset 3. Nous disons au nom de Jésus. Capitaine. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour. Le vieux coco pour exhortation, il va prêcher pendant quelques poussières de secondes sur le mystère de la mort. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui vient de toucher à la famille Kabengele, demain ça pourra aussi être le tour de ma famille, pourquoi pas le tour de ta famille. Parce que la mort, c'est le passage obligé de tout être humain. Et donc, nous étions obligés de faire en sorte que notre ami soit pleuré et conduit dignement dans sa dernière demeure. Et ça sera fait aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à tous les judokas pour cet esprit de souplesse. Il a fallu que nos esprits soient apaisés et que finalement notre ami soit pleuré et jusqu'à être enterré dignement. Et ça va être fait dans quelques heures. Nous allons prendre la direction du cimetière des Gombe, là où il sera inhumé. Ça va finir. Jidogi Nanzoto Matana Tapi, s'il vous plaît. Olati Jidogi Matana Tapi, s'il vous plaît. Matana Tapi, c'est juste pour quelques minutes. Baokata, Matana Tapi. Voilà. Je voudrais quand même profiter de ce moment d'entraînement de judo pour essayer de vous rappeler c'est quoi le judo, comment la République démocratique du Congo a connu cette discipline martiale. Et aujourd'hui, c'est l'un des sports les plus populaires du pays. Et nous devons comprendre que le judo signifie tout simplement la voie de la souplesse. Le père fondateur du judo, il était un japonais, le faux professeur Jigoro Kano. C'est lui qui a créé le judo depuis 1882. Et le judo, nous l'avons connu en RDC vers les années de l'indépendance. Et plus précisément, en 1960, le feu maître décanteur, il est allé découvrir tous les arts martiaux à Congo-Brazzaville, la République du Congo, que nous appelons souvent Congo-Brazzaville. C'est à partir de là qu'il a découvert
les arts martiaux. Et après, lorsque nous avons connu notre souveraineté, il est rentré ici pour nous faire découvrir les arts martiaux en général et le judo en particulier. Et voilà, et jusqu'à nos jours, le judo continue à être pratiqué. Ça fait partie des disciplines sportives qui sont prises en charge par l'État congolais. Il n'y en a que 12 aujourd'hui. Et voilà. Et Maître Chimit Kabengele était également un vrai pratiquant du judo, parce qu'il ne mélangeait pas la pratique du judo avec le phénomène Kuluna. Il ne le faisait pas. Donc il était un judoka qui respectait la noblesse de cet art, parce que le judo est un art noble. Nous devons tirer attention à la judoka Nyonso. Comme la commission de grade, la fédération à judo. Ceux qui osent sentir noir, t'es comme un cacola de sentir noir à t'es. Ceux qui osent sentir. Kakolata senti non arrêté, Luka senti blanche, lata. Avant toi, le colon a mis sa tour à Sony. Ni le mona l'idée là. Pour aucun info nulle part. Toi, senti non arrêté, le mona déjà avant de te cure. Merci. Voilà, la bandite qui m'a l'oublié, Maître Joseph Bouillou, il l'a fait au nom de la commission de grade. Respectons notre art, s'il vous plaît. Sans la ceinture noire, t'es le mot là. Voilà ta ceinture noire, elle va passer. La ceinture noire se mérite. Voilà ta réunion par clientélisme. Maître Ange. Quand la 4 la grimace va être la 4. S'il
s'il vous plaît. S'il vous plaît. Petit bouger. Mesdames et messieurs, le judo n'est pas synonyme de banditisme. Le judo est un art noble créé depuis 1882 au Japon.